Nous sommes le mardi 18 octobre 2016 et il est 7h du matin. Du coup, je suis partie plus tard ce matin vu que j'arrive vraiment trop tôt à l'école quand je pars à 6h45. J'espère que ça sera suffisant mais que je serai pas en retard non plus. On verra bien. Dans tous les cas, eh bien, c'est parti pour aller au boulot. J'ai mangé des pépitos ce matin. Deux petits sachets, j'en ai emporté encore deux avec moi. Parce que le matin, il fait trop froid. Et du coup, j'ai du mal à manger genre un bol de céréales. Je sais pas, après, je suis brassée en fait. Mais j'ai quand même faim. Le matin, il faut que je mange. Alors, je me prends des petits gâteaux. Faudrait que j'aille faire les courses d'ailleurs parce que j'en ai plus. Donc faudrait que je reprenne pour la semaine. Du coup, je suis toujours à la bourre dans mes vlogs. Je crois que j'en ai monté que 3 hier. Donc c'est une catastrophe. Putain, je suis vraiment en retard. Mais bon, déjà, là, on va aller au taf. Après, il faut que je rentre chez moi, que j'aille chercher ma box numérique câble pour la déposer en point relais. Que j'aille m'acheter des gâteaux pour demain matin, sinon j'aurai rien à manger demain matin et du coup je vais être absolument irritable au plus haut point. Et que j'aille et après faudra que je fasse que je finisse mon livret Excel de base et que je commence, voire que je termine celui des fonctionnalités avancées. Sinon ça risque d'être hyper relou vu que je dois finir mes devoirs. C'est les camions poubelles, regardez. La bonne petite odeur le matin, mais bon, c'est pire pour eux hein. Et puis ça doit être fait, on fait des déchets, il faut bien que quelqu'un les ramasse, sinon dans ce cas là il faut que on s'arrange pour vivre dans un monde où vraiment le recyclage est une fonctionnalité courante pour partir après vers un zéro déchet. Mais bon, c'est pas moi qui vais parler de ça ici parce que déjà je maîtrise pas du tout mon sujet, hein. C'est bien beau de rêver, mais j'y connais rien du tout au zéro déchet. C'est pas moi qui suis la mieux placée pour parler de ça. Si j'arrive à finir mon livret Excel et que j'arrive même à finir le deuxième, mais je pense pas finir le deuxième ce soir, je continuerai de monter les vlogs. Dans le cas contraire, eh bien, vous n'aurez pas de nouveaux vlogs. Enfin si, ce soir je vous mettrai en ligne ceux que j'ai montés hier. Mais sinon vous n'aurez pas de nouveaux vlogs. Par contre, normalement, j'ai pas vérifié, mais je pense qu'elle s'est mise la vidéo que j'avais lancée hier sur ma chaîne principale, sur l'épisode 11 et le dernier épisode de la série Little Inferno, qui aurait dû sortir jeudi. Désolé. Ça va, il fait pas trop froid ce matin, c'est raisonnable, donc avançons doucement, puis je vais chasser un peu des Pokémon, je vais voir ce qu'il y a, parce que hier en prenant le bus, je sais plus si je l'ai dit, mais hier en prenant le bus pour aller à Juvisy, pour prendre le RER pour aller jusqu'au taf, putain c'est hyper long ma phrase, je pense que vous allez rien comprendre à ce que je dis, mais en gros j'étais dans le bus, il y avait plein de Pokémon, et j'ai même croisé un Ronflex dans le radar. Mais juste dans le radar, je l'ai pas croisé donc je pouvais pas cliquer dessus. Mais il y avait vraiment pas mal de Pokémon. J'ai failli avoir un à bras, je suis dégoûtée, il s'est enfui le bâtard. Nous sommes le mercredi 19 octobre 2016 et il est bientôt 7h du matin. Hier j'ai pas fini de vlogger parce qu'en fait... En fait, c'est une longue histoire. J'ai été au taf. J'ai reçu d'ailleurs mes chaussures de sécurité et un gilet réfléchissant. Parce qu'en fait, le site où je travaille, il est grand. Il fait 5 km environ. Et il n'y a pas que des gens qui sont dans les bureaux. Il y a aussi genre des véhicules avec des chargements plutôt imposants. Et des trucs qui peuvent être en fait dangereux, genre de la ferraille, des trucs comme ça. Donc bon, au cas où en fait tous les employés, même ceux qui sont dans les bureaux,
ont des chaussures de sécurité. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est des chaussures de sécurité, bah c'est ça. Et en fait, c'est des chaussures qui, au bout, en fait, le bout, au niveau des orteils, il y a un embout métallique. Ça fait que... Hop, je perds mon sac. Hop là. Ça fait que s'il y a quelque chose qui tombe dessus, bah ça touche pas mes pieds, parce que c'est en métal en fait. Donc c'est fait exprès pour... bah, pour pas te casser le pied s'il y a quelque chose de lourd qui tombe dessus, quoi. Ensuite, je suis rentrée chez moi et il y avait plein de soucis sur la D, mais pas que. Il y avait plein de colis suspects en fait. Donc c'était un peu la merde, j'avais qu'une station à faire, mais c'était un peu la merde, j'avais trop envie de pisser. Du coup, j'arrive enfin chez moi, j'ouvre la porte et qui c'est que je vois dans la cuvette des toilettes? Mon père en train de tout démonter encore une fois. Avec toute la gentillesse dont je dispose, je lui ai gentiment demandé de se barrer parce que j'avais terriblement envie de faire pipi. Du coup, j'ai fait pipi et en fait, après, il m'a expliqué qu'il était là pour mettre un compteur d'eau. Ce qui fait qu'il a commencé à démonter tous les trucs, genre dans la cuisine, évidemment, il avait coupé l'eau. Hein. Dans la cuisine, il a démonté les tuyaux pour faire des raccordements de tuyaux et tout pour tout brancher à un compteur d'eau. Ce qui fait que c'était une merdier, c'était sale, c'était... Enfin, ça m'a saoulé en fait, je voulais rentrer, je voulais faire... Je voulais déposer ma box numéricable, bah j'ai pas pu, en point relais. Je voulais faire mes devoirs, bah j'ai pas pu. Enfin, ça m'a grave gavé. Du coup, au final, il a fait tout ça pour rien. Il a tout remis comme c'était parce qu'il lui manquait un joint. Donc en fait, il revient jeudi pour refaire exactement la même chose mais avec un joint. En espérant que cette fois-ci, bah, il ait le bon joint. Parce que sinon, il aura encore fait tout ça pour rien. Voilà, ça c'est typiquement mon père. Et ça me saoule. Tu veux être tranquille, tu peux pas. Le jour où je déménage, moi je lui dis pas où je déménage, hein. Ça va me saouler de le voir débarquer quand il veut, de tout casser. C'est bon quoi. Non, merci. Du coup au final, il est parti. Enfin, il est parti. Il est parti de l'appartement. Il était 19h30. Donc c'était mort pour le point relais. Où je puisse déposer ma box numéricable. Bah après je l'ai suivi pour manger avec lui au restaurant en bas de chez moi là. Faut aller ce restaurant. Mais avant quoi c'était les anciens propriétaires, c'était trop bon. Et maintenant, depuis que ça a été racheté et que c'est plus les mêmes, oh là là, mais qu'est-ce que c'est pas bon. J'ai mangé genre une assiette de frites avec de la mayonnaise et une île flottante. Bon les frites, j'avoue ça serait dur de les rater. Même si elles étaient pas tip top. Mais alors l'île flottante les gars, putain un scandale. La pire que j'ai jamais mangée de ma vie. Ah elle était belle, elle était grosse. Mais en fait, il n'y avait pas vraiment de crème anglaise. Il n'y avait que du caramel. Avec l'île flottante, avec le blanc de l'œuf hein, et tout, mais il n'y avait que du caramel. Ah non mais les gars, moi je peux pas, hein. C'est pas pour moi ça, c'est mort. Enfin bref, je suis rentrée chez moi, il était 21h30. Du coup j'ai commencé à faire mes devoirs. J'ai même pas pu terminer mon premier livre Excel que je voulais absolument finir, il me reste un chapitre. Du coup j'aimerais bien le finir ce soir. Évidemment, moi j'ai mis deux vlogs en ligne, et les vlogs ils sont extrêmement longs en fait, à mettre en ligne. Genre je mets 1h30, avant je mettais moins que ça. Donc je sais pas si c'est normal, mais bon on verra. Du coup, au final je me suis couchée, il était, je sais plus, 23h12, donc il était assez tard. Donc je me suis levée ce matin, fatiguée, et je pense que ce soir je vais aller chez Noli, et je ferai mes devoirs chez Noli, s'il a Windows, s'il a le pack Office 2010 plutôt. Puis j'ai pas pu acheter de petits gâteaux non plus pour le petit déj. Du coup je vais aller à la boulangerie et je vais me prendre un bon petit déjeuner. Parce que hier c'était vraiment une journée de merde. Allez, t'as raison. Passe quand les piétons sont verts. De toute façon je suis plus à ça près. Ouh. Moi je vous le dis, journée de merde les gars, journée de merde. Ça y est les gars, j'ai mon butin. J'ai été à la boulangerie.
J'ai pris deux pains au chocolat. Alors je vais me régaler. En plus, je peux manger dehors parce que il fait pas trop froid ce matin. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais bon appétit. Ah oui, me demandez pas pourquoi je prends un accent marseillais pour faire le policier, alors qu'en plus on est à Paris. Mais j'aime bien. Moi, j'imagine dans ma tête que les policiers, ils ont tous un accent marseillais.